Tu peux faire la pièce numéro 4 STP? Oh oui, y'a pas de soucis, let's go, c'est parti! Ok, donc la pièce numéro 4, c'est celle-ci. Oh, let's go, on va pouvoir compléter le trou. Ok, ok. C'est quoi le style? Pop art! Oh, ça je crois que je l'ai fait une fois, mais je trouve ça trop dur à chaque fois. Let's go, ça peut rendre trop stylé en vrai. Bien sûr, pour faire ce style, je suis obligé de faire la colle en premier, donc c'est parti! Oh, pour remplir toutes les zones, en rouge et en bleu, c'est magnifique. Sinon, j'ai découvert un truc avec ce style, c'est qu'on est obligé d'utiliser du noir pour faire les sombres. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais à la fin, ce sera logique pour vous. Sinon, pour tous ceux qui savent pas ce que c'est le style pop art, en fait, ça consiste à faire plein de petits ronds d'une couleur plus foncée que celle qui est en dessous. Donc, du coup, je vais avoir besoin de ces trois couleurs. Attends, revenez! Ok, c'est bon, je les ai rattrapés. Du coup, on est parti pour faire nos petits ronds. Allez, let's go! Bien sûr, ce qui est très difficile avec ce style de dessin, c'est qu'il faut que chaque rond soit de la même taille. C'est très important et ça demande tellement de concentration. J'ai cru que mon cerveau, il allait exploser quand je l'ai fait, je vous jure. Sinon, bah, on continue de faire nos petits ronds bleus, let's go! Un peu là, un petit dernier pour la route, ça fait pas de mal. Et voici le résultat de cette pièce, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi,